À Moscou, les habitudes de consommation ne sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs en Europe. Dans ce magasin spécialisé, pas moins de 3000 bières différentes, essentiellement étrangères, vendues dans leur conditionnement d'origine ou au litre, dans des bouteilles en plastique ou en verre consigné. Клиентами нашего магазина являются люди, которые ценят качество, в первую очередь пива, которые ценят большой ассортимент, выбор и хорошее отношение к ним, хорошее обслуживание, в первую очередь. Ну, в принципе, все, я думаю. Beaucoup de ces bières, environ 800, viennent du premier exportateur européen de bières, la Belgique, dont les exportations du breuvage vers la Russie ont triplé en 5 ans. Un dynamisme auquel cet homme n'est pas étranger. Ici, on fait comment on ramasse les commandes pour nos clients. Et comme vous pouvez voir ici, par hasard, la plupart des commandes, ce sont des bières belges. Des bières belges, Viktor Pavlov en importe environ 200 pour l'ensemble du marché russe. Rien pourtant ne le prédestinait à évoluer dans ce business. Personnage atypique, cet ancien champion de lutte gréco-romaine est docteur en chimie quantique. Son changement de vie s'est opéré lorsqu'il est venu en Belgique dans le cadre d'un programme d'échange alors qu'il était post-doc à l'université de Moscou. C'était pas facile. Merci à M. Gorbatchev, à Perestroïka. Quand tout ça a commencé, c'était vraiment une période très difficile chez nous. Et pour moi, c'était vraiment la chance que pendant toute cette époque, j'étais invité à la façon périodique en Belgique pour faire des recherches à l'Université de Liège. Et pendant mes voyages, j'ai fait connaissance avec beaucoup de gens. Et un des Belges, M. Flas de Eupen, le propriétaire de Fleuronis m'a demandé de lui aider d'entrer en Russie avec ses produits. J'ai promis ça, j'ai fait ça et je n'ai pas quitté ça. C'est avec les gaufres de Liège que Viktor a commencé. Sa société Carabus était sur les rails dès 1993. Quelques années plus tard, il était véritablement happé par la bière. La culture derrière les bières, c'était quelque chose de spécial. Pour moi, c'était analogue avec la culture française derrière des vins. Mais plus intéressant parce que les goûts sont beaucoup plus variés. Et les types de bières sont beaucoup plus différentes. L'entourage est beaucoup plus intéressant. Il faut simplement regarder des verres, par exemple. Je suis un prisonnier des bières belges, c'est comme ça. Nous avons réputation d'une société un peu fou. Parce qu'il y a beaucoup de bières qui ne sont pas commerciales. Okay? On ne peut pas attendre de grands volumes, de grandes ventes, etc., etc. Mais ça me plaît de travailler avec ces bières. Nous sommes dans le niche. Et c'est une niche très sympathique. Et je préfère de rester là-bas. Ce qui est très important pour moi, c'est le contact personnel avec des producteurs. Avec presque tous mes fournisseurs, nous sommes des amis. Et des amis pendant des années. Sa passion pour les bières, Viktor l'a transmise à sa fille, Evgenia, qui est à la tête d'un des établissements qu'il a créé à Moscou. On peut y manger, mais surtout y déguster dans une ambiance amicale des bières souvent très difficiles à trouver ailleurs. Nous sommes seuls importateurs de cette bière. Et
moi et mes gens qui travaillent ici. Nous étions dans les brasseries. Nous avons vu tout ça, tous les process. Alors nous racontons aux gens l'histoire de la bière. On montre comment on peut le servir. Nous sommes peut-être seul pape à Moscou où il y a le sommelier de la bière. Pas le sommelier de la vin, mais de la bière. He's crazy about beer. Après 25 ans d'importation et de commercialisation de produits de qualité, l'ouverture de plusieurs établissements où ils peuvent être dégustés, Viktor Pavlov compte développer un concept permettant aux Russes de découvrir des bières à travers un circuit original sur les terres qui les voient naître en Belgique. La soif de transmettre ne quittera visiblement jamais l'ancien professeur.